Et salut, confess your sins. Confessez vos péchés, mes chers amis, en ces temps de... Que... Pourquoi j'ai 100 en miniature de... C'est marrant que j'ai la maison en miniature de run. Bon, c'est pas grave. On est en streak 5. Et c'est reparti. Les streaks ont été assez durs jusqu'ici. On va voir ce que ça donne. Alors, oh là 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 là. Bon, le shield c'est pas mal, les stats sont dégueulasses. Et monstre tous, c'est pas terrible. Et on a 3 coeurs. Bon. C'est un des... Et on est lent, putain, c'est un des pires débuts qu'on ait jamais eu. Hein, c'est ça la joie des Enden Strix. Hein. Bon, après le bouclier en vrai c'est cool, hein, mais. C'est pas un objet que t'as envie d'avoir en début de run quoi. Plus je sais pas s'il a été modifié dans Repentance. Ouais, alors ça, c'était très bien joué. Bon, faut que je me chauffe, hein. Première partie de la journée. On a intérêt à avoir une item boom goldée parce que là... Oh, ok, on a un éclat de D6, c'est bon à savoir. Comme ça, si on a une item boom de merde et 5 pièces, on pourra reroll. Putain, les dégâts à moins de 3, c'est... ça fait chier. Hein. Ah, pourquoi pas, c'est un objet que je trouve assez marrant. Il fait des effets aléatoires, il alterne entre la brûlure, le poison, les trucs comme ça. Putain. Faudrait que j'arrête de prendre des coups par contre. Le problème c'est qu'il peut faire des larmes qui explosent je crois. Donc ça pue. Bon, on va essayer d'arrêter de prendre des coups. Ça serait bien. Putain, la pauvreté de cet étage. Ah, on va peut-être réussir à avoir quelque chose là. Putain. Vous n'avez rien vu. Faut vraiment que je m'y remette. Excusez-moi. C'est le temps de se chauffer, tout va bien. On va peut-être prendre le corps bleu pour le boss vu le talent que, avec lequel je joue. Alors attendez, on va tenter la secret en même temps, tant qu'à faire. On aimerait une clé ou quelque chose là. Bon, c'est la loose. Bon, on prendra pas 3 coups face au premier boss. Quand même, même si on n'est pas très en forme. Bon, on va pouvoir tenter les Devil Deal au moins. On va chercher le cœur bleu. On a vraiment des stats en bois. Hein. Oh là là. On n'a pas de bombe. On n'a pas de clé. Et on peut pas acheter le D6. Enfin, l'éclat de le fragment de D6 qui permet de reroll. C'est un peu la loose. C'est chiant les premiers étages où tu rates des bons trucs quoi parce que t'as juste pas les... Oh putain, le Curse of the Blind, vous êtes sérieux. Ah, quand le jeu t'aime pas, il t'aime pas. Alors les mouches grises ne font aucun dégât. Merde, j'aurais dû le laisser exploser. Il aurait pu révéler une échelle de corde. Bon, va falloir qu'on se concentre. J'aimerais bien que là, la secret room soit à droite. Ça permettrait de... Comment dire?
Ça permettrait d'accéder à la Curse Room. On va voir, on va faire tout l'étage avant de commencer à dépenser nos bombes. Alors elle est possiblement ici. Mais on va attendre parce que si on chope un rocher marqué, on va le jouer clairement. Parce que si on peut avoir Small Rock, ça réglerait notre problème de tir rate et de dégâts. En vrai, Monstro, c'est pas mal en tout début de run, ça reste un tueur de boss. Wow. On aimerait bien des clés, par contre. Ah mais non, on va... Enfin, oui, on veut des clés, mais on va pas à l'item... Putain, je bégaye, excusez-moi. On ne va pas aller à l'item room parce qu'on est en Curse of the Blind et qu'on ne ramasse pas les objets en Curse of the Blind. Pas les objets d'item room, en tout cas. Et on fera pas le Devil Deal non plus. Quoique, si on ira voir le Devil Deal et s'il y a un truc à deux corps, on prendra. Parce que c'est rarement, ça peut pas être des mauvais objets, quoi. C'est bon, ça. Bon, du coup, l'item room est pas près de la Curse Room. Dommage. La Secret Room est pas près de la Curse Room, justement. Donc, l'item room, on la zappe. Le shop, on va y aller par contre. Bon, il y a très peu de chances qu'il soit là, mais on peut tenter. Yes. Le shop, on risque d'y aller. Je vais voir. Ça va dépendre de ce qu'on chope. Ah, ça va dépendre de ce qu'on chope. Putain, je suis drôle. En vrai, j'aime bien les larmes gâteau là. C'est les objets aléatoires mais pas aléatoires positifs, c'est-à-dire il faut pas jouer quand t'es un streak les objets aléatoires qui peuvent vraiment te nuire quoi, genre le biais là qui peut vraiment te donner en gros tout ce qui te fait des larmes explosives ou des larmes pas précises ou quoi, faut essayer d'éviter quoi. Là ça va, à part les larmes enflammées qui ont une petite chance, enfin un petit risque de faire exploser les ennemis, on est relativement safe. Un petit rocher marqué ? Apparemment pas. Quand même, on ira voir le shop. On aimerait bien des stats, s'il vous plaît. Ah putain, alors là, du coup, il doit être là. Yes. Oh putain. Ce boss est probablement plus relou que ce qu'on aura dans la vraie salle du boss. Ah mais c'est vrai qu'on a bloqué. Bon c'était worth. Oh putain, oui. On va pas acheter d'objets au shop parce que la dernière fois que si vous avez vu mes runs d'avant, je me suis dit bon c'est. Y'a pas d'objets dangereux au shop et j'ai chopé KO. Bon. Qui n'a pas ruiné le run heureusement, mais c'était quand même pas fou. On a 5 les 5 bombes, est-ce qu'on garde nos sous? On garde nos sous. Y'a pas une batterie? Au pire on enverra... Big Mother is watching you, c'est ça qu'il avait écrit? Mother is watching you, ok. Bon ça va. Oh oui, bon bah ça, cette variante là en plus... No pressure, hein. En plus j'ai le bouclier, en vrai je m'embête à esquiver pour pas grand chose. Mais bon, vu que c'est une pattern assez... c'est quand même un tir assez répandu, on va éviter de faire le con. J'hésite à tenter le Devil Deal. Hein. On va le tenter. Si on a un 2 corps, on y va. Si c'est que des 1 corps, on n'y va pas. Ah, vous voyez, la stat de dégâts, elle est compliquée quand même. Mais bon, je veux pas utiliser... Il vaut mieux faire un combat long et garder The High Priestess pour un endroit où on sera vraiment en danger. Là, on n'est pas en danger. C'est vraiment... Ce boss-là, précisément, cette variante, c'est peut-être un des boss les plus simples du jeu. Il fait aucun grand saut, rien. C'est de la merde.
Bon, tears up. Oh, beau tears up. Ok. Est-ce qu'on active les Devil Deal? Non. Pas avec Curse of the Blind. Bon, le Bonheart, c'est très bien. Allez. Donc là, on a une chance d'avoir des... Si on n'était pas rentré dans le Devil Deal, on aurait eu 100% de chance de tomber sur une Angel Woo en prochaine pièce. Et là, on... là ça va être 50-50. Bon, on est très bien en ressources. On est très mal en objet. Mais le... Oh, le Tears Up... Le Tears Up fait du bien. Alors oui, ah bah, les ennemis peuvent donc bien exploser avec ça. Avec le Bone Heart, on peut peut-être aller à la... À la Curse Room. Ah mais non, j'ai un bon... Justement, j'ai un corps... Un cœur moisi qui vaut comment dire, il peut pas être coupé en deux donc parce que là en soi je peux, en fait si j'avais un cœur normal dans mon Bone Heart je pourrais faire l'aller-retour dans la Curse Room et ça me laisserait mon Bone Heart que j'aurais plus qu'à recharger en allant chercher un cœur dans l'étage. Sauf que là le cœur un peu verdâtre qui spawn des mouches là, il fait que il peut prendre qu'un seul coup. Donc la méthode ne marchera pas. C'est le petit défaut des Bone Heart. Putain, si on peut avoir un Magic Mush. Oh merde! Bon bah espérons trouver un cœur, comme ça on pourra faire la Curse Room. Ah, j'ai pas été très malin. Hein. Je pensais pas que le nuage toxique irait aussi loin. Oh putain, on a une range dégueulasse. On a vraiment les pires stats. Hein. Alors attends. C'est au pixel. Hein. Yes. Super, on aime les pilules. Putain. Je savais. J'aurais pas dû rester là. Bon, on a perdu notre Bone Heart et on a perdu un demi-cœur bleu, ça fait chier. Qui va être facile, je sens. Sur ça, on est à quoi? Les 5 runs d'avant, on en a eu un qui s'est passé globalement sans arco. Tous les autres, j'ai galéré. Et je suis pas mauvais au jeu, hein. C'est juste qu'avec Repentance, le jeu est quand même devenu vachement plus dur. Puis je fais quand même des choix de merde. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas striqué pour ma défense. C'est très longtemps. J'attendais d'avoir refini le jeu un minimum quoi. Je l'ai pas refini à 100%, il me manque des persos. Quelques persos alternatifs qui me cassent les couilles, genre Eve, Lazarus, Jacob. Hein. Mais j'ai réussi, j'ai fini Tainted Lust. Le perso qui meurt en un coup, quoi qu'il arrive. Et je peux vous dire que j'en ai chié. Alors ouais, si on trouve moyen de voler, il y a moyen de se faire plaisir. Ça on prend évidemment. Pour les derniers étages, c'est du caviar. Hein. On aimerait bien pouvoir voler. La super secret, elle pourrait être là en vrai. C'est près du boss. Yes. Oh putain. Bon, ça peut servir si on trouve de quoi les convertir. Il y a du potentiel quoi. On n'a pas eu de chance sur les champignons. Hein. Oh, cette salle, on la connaît. Ah, je l'avais mis le Rotten Tomato. Et du coup, il a tiré sur son pote. Ah, la challenge room, si on a du bon, on va y aller. Des cœurs bleus. Yes.
Ça, c'est cool. Ça fait plaisir parce que ça devenait un peu chaud niveau vie. Enfin, ça va, mais je voulais quand même garder nos chances de Devil Deal ou de Angel Room. C'est vrai qu'on a le bouclier. Mais c'est le genre d'objet, j'aime pas baser. Putain. Bon. Voilà, je l'avais dit, hein, faut quand même faire gaffe un minimum. C'est le genre... Le bouclier, c'est le genre d'objet, j'aime pas. J'aime pas changer ma manière de jouer à cause de lui en fait. J'aime qu'il soit là au besoin en fait. Je le vois plus comme un réparateur de conneries que. Bon là, il y a des cas où je me dis, voilà, là je me mets en face, je me dis ça va, tu vois, mais. Encore que j'ai. Là, je crois que j'ai esquivé legit, mais bon. Je préfère le voir comme ça. Parce que ça permet de s'entraîner en fait. Il faut toujours s'entraîner à Isaac, même si vous avez des centaines d'heures de jeu. Et on a le planétarium. Est-ce qu'on va choper un petit objet qui va nous sauver la vie comme la dernière fois? On avait eu Neptune qui était très très bon. Sol, c'est. Oh non, Terra, c'est trop bien! J'adore cet objet. On tire des caillasses. Oh, et ça, c'est carrément bien. On tire des caillasses, du coup, on peut. Alors, si je me souviens bien, on peut casser les cailloux, justement. Eh bien, on va optimiser, vous savez quoi? Je dis pas que je fais des tutos, mais je vous apprends un peu. Si vous voulez faire du streaking, faut opti quoi. Voilà, là faut pas se dire putain, j'ai la flemme de casser les cailloux et les champignons. Non, non, non. Après, les cailloux, une fois que vous avez eu si vous avez l'échelle de. Si vous avez eu l'échelle de corde, vous embêtez plus à casser les cailloux, hein. Mais. Bon, Terra, c'est vachement bien. Je l'ai pas eu souvent cet objet. Si on pouvait avoir la petite échelle de corde. Ça serait sympa. Putain, est-ce que ça va être deux runs où on va se faire carry par le planétarium? Donc on n'a pas pris. Vous noterez qu'on n'a pas pris The Moon, qui est pourtant plutôt sympa, parce que on va comment dire? On va d'abord utiliser The High Priestess sur le boss. Parce qu'il faut pas gâcher les ressources. Faut jamais gâcher. On a toujours pas moyen de voler par contre, c'est dommage. Ah mais ça peut ouvrir les secret rooms ça aussi. C'est tellement puissant. C'est un peu les larmes acides en plus balèze quoi. Je sais plus ce que ça fait d'autre, ça a peut-être un gros knockback, je sais plus exactement. Techniquement on aurait pu garder l'invocation de Mostro aussi mais pff, en vrai ça devrait aller. Et bien il n'y avait pas d'échelle de corde on dirait, dommage. Oh putain. Un objet Devil Deal. Oh, c'est cool ça. Triple caillasse, putain, énorme. Bon c'est bon là, on est refait. On est putain de refait. Est-ce qu'on se tente la Curse Room? Non. On va pas jouer à l'idiot. Même si je suis très fort pour ça. On avait tout fait là. Putain, il y avait pas d'échelle de corde. Hein. C'est assez rare quand même les étages où il n'y a pas de. Non, c'est pas ça que je voulais récupérer, c'était ça. Si on pouvait trouver un petit speed up, parce que là. Oh, la run elle va tellement s'appeler pluie de cailloux quoi. Ça permet d'ouvrir ça. Oh putain trop bien. On va pas y aller mais. Je suis pas mazo à ce point hein. Alors on a 4 clés, est-ce qu'on peut se permettre? Oui. Ça valait pas le coup clairement mais. Merde bah le The Moon pour le coup hein. Est-ce que ça permet. Non ça permet quand même pas de tuer les mendiants. Ouais non. Faut pas déconner. En même temps on a plus besoin des bombes, on a plus spécialement besoin des bombes donc on peut y aller hein. On va garder le trinket qui peut doubler l'argent.
Parce que la mouche, bon, c'est sympa, mais... Putain, avec les triples effets variés, en plus, on va inonder les ennemis de d'effets aléatoires, quoi. C'est trop marrant. Ah ouais, ça permet même de skip les pièces qu'on veut pas faire. Ah, putain, c'est ouf, hein. Ça sent le boss, là-haut. Alors, faut qu'on fasse gaffe avec les champignons, quand même. Qui nous pètent pas à la tronche. Putain, ils veulent pas nous filer un petit Magic Mush, hein. Le nombre de pilules qu'on a eu, quoi. Bon, j'adore ce run, hein, c'est officiel. Enfin, j'adore ce build, quoi. On est parti vraiment à chier, et là, vraiment, c'est cool. Sachez que quand ils sortent du sol, eux, ils sont... ils ont pas de hitbox au début. Quand ils viennent de sortir... S'ils vous sortent du sol devant vous, paniquez pas, vous pouvez leur marcher dessus, enfin... bougez vite quand même, mais... Oh, le jeu est pas sadique à ce point, quoi. Bon, on remarque que c'est un point à débattre, mais pour le coup... Là, on va fouiller toute la zone parce que je veux un Magic Mush et je veux une échelle de corde. Et on aimerait bien un peu plus de ressources. Un peu plus de vie surtout. Parce que les ressources, on est bien, mais... Quoi ? Mais quel boulet je suis. J'ai failli... Putain, j'ai fait... Ah oui, c'est les crottes qui avancent vite, d'accord, parce que j'allais dire, what? Ça, on s'en fout complètement. Ça fait se rapprocher les familiers, je crois qu'ils sont assez proches de moi, ceux-là, pour le coup. Ah, mais je suis con, j'ai juste à faire ça. Oh. Bon, d'accord. Vous voyez, faut pas lui faire confiance à ce putain de... bouclier, là. D'où j'ai pris le coup? J'étais pile en face. Bon, on voudrait un bon shop, s'il vous plaît. Bon, là, je sens que c'est le boss. Alors qu'il va y avoir le crawl space là. On a strength et the moon. On garde strength pour l'instant parce que c'est plus utile dans l'étage. Puis the moon, on s'en fout finalement. Ça peut nous servir s'il y a une curse room. Ah, il y a une curse room. Ah ouais, mais on manque vraiment de cœur bleu, quoi. On va voir. Putain, ça les a fait dérailler complet le. Oh, cool! Nice! Marche pas sur les pics, marche pas sur les pics! Bah alors, c'est pas mauvais, mais c'est. C'est pas un objet mauvais, mais c'est pas un objet que t'es content d'avoir, quoi. C'est quand tu prends un coup, tu gagnes du tir rate. Bon. Du coup, c'est sympa, mais... Pff. Les objets qui récompensent l'échec, tu vois, c'est pas... C'est pas très gratifiant. Tu vois, quand on est un mec comme moi, super fort, tu vois, on a envie de... Ok, on a donc plus d'options dans les item rooms. Nice. On a déjà tué un mendiant, mais on a des bombes... Oh, faut que je remplisse ma machine de zone. Calme-toi, Jean-Michel, y'a personne. Putain, sur qui tu tires là? Attends, stop! Quel con! Si l'échelle de corde elle est là. Bon, bah là j'ai merdé.
À vouloir attirer trop vite, on va trop loin. C'est ce que mon ex disait, ça. Je vais... Du coup... Attends. On va faire une opti. Tant qu'on y est, hein, je vous montre les optis. Hein. Là, on a notre The Moon qui, techniquement, ne nous sert à rien en soi. Puisque les secrets rooms, on les ouvre. C'est dommage qu'on ait pas eu de machine de donation, par contre. Parce qu'avec tous les corps rouges qu'on a, là... C'est un beau gâchis pour le coup. En plus, on aurait pu profiter de la challenge room. Non, jamais. Bon, ben on s'en va. Donc, ça valait pas le coup en soi, mais voilà. Comme ça, on évite un demi-coup et en plus, on se tape pas tout le trajet retour. Dommage pour le Curse of the Tower qui est bien merdique. Sauf si vous êtes immunisé aux explosions. Ou si vous avez vraiment désespérément besoin de dégâts. Ça m'est déjà arrivé de compter dessus pour me carry. Ça a dû marcher une fois ou deux, mais. Putain, sérieusement, pas de deal quoi. Alors le shot speed up c'est pas mal parce que. Ouais, c'est plutôt. Ouais, bah oui, parfait. On marche enfin normalement et on a les rochers plus rapides. C'est cool. En vrai, c'est très très cool. On chope pas beaucoup d'augmentation de stats, hein. Voire pas du tout en fait. Je regarde ouais, on a, c'est la première augmentation de stats qu'on a depuis le début. Après, on a eu des effets cool, hein, mais on a quand même un build puissant, hein. Faut pas me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, monsieur Pujadas. Non, ça, faut pas déconner. Je sais pas pourquoi j'ai dit monsieur Pujadas, mais. Herawalk, ça ralentit tous les ennemis, on s'en fout un peu. J'ai mis longtemps à comprendre ce que faisait cette carte. Ok, Joker, très bien. Et on a toujours pas eu de... Putain, on a cassé tous les rochers sur des étages, on n'a pas eu une seule échelle de corde. What? C'est bizarre, non? Je veux bien qu'elle soit pas à tous les étages, mais... Ah, attention. Ça, c'est de la merde. Fais gaffe, le chat, je te vois. Bon, on n'oublie pas qu'on a un Joker, là. Hein. Sors de là. Allez. Descends de là. Ah, le petit chat qui fait n'importe quoi. Calmez-vous. Oh putain, il y avait des lasers aussi, d'accord. Le gros, attention, il fait très mal en plus. Bon, voilà, le petit défaut de pouvoir péter tous les blocs, hein, c'est comme avec Stompy, vous pouvez déclencher des combats que vous ne vouliez pas mener. Attention, je hais ses ennemis, putain, je hais ses ennemis. Je les déteste. Double strength, ok. Oh, j'avais pas réussi à le... Donc le Joker, évidemment, on le garde pour si on ne... Pour si on n'a pas, ouais, tout à fait, Benjamin. Si on n'a pas le... Si on n'a pas le Devil Deal à cet étage... On appellera le Joker. On espère même de ne pas l'avoir du coup, puisque ça nous permettra d'abuser du... Parce que quand tu prends le Joker, en fait, tu dépenses pas tes pourcents de David Deal. Alors, on va bien raser le mur pour éviter ce truc. Et là, on passe comme ça, et c'est bon. Appelle-moi Solid Snake, hein. Alors, attention, eux, ils sautent. Quoi? Ah, je crois que c'est les larmes en flamme qui ont... Ah, du coup, j'ai plus un tir rate parce que j'ai pris un coup. On aimerait bien un peu plus de vie, hein. Surtout de vie bleue, quoi. On a un bégard là qui peut nous en donner. Ouais. Je
suis pas sûr d'avoir testé les secret rooms là. Bon. Enfin, la secret room. Oh la salle de merde. Oh. Putain. Oh, c'est le genre de salle qui me font pleurer ça. Bon écoutez, je suis content de pas m'être fait toucher hein. Oh bien. Très bon objet. Qui absorbe les larmes et qui fait des proutes. Qui fait mieux que ça, qui fait des effets de. Carrément des effets de missing page. S'il absorbe plusieurs larmes, qui font des dégâts à toute la pièce. Donc excellent. Excellent familier. Putain, ça fait plaisir. Deux runs d'affilée qu'on a le magique moche. Hein. On l'a même pas eu dans les champignons. Voilà, l'effet du dry baby. Surpuissant. Merci le plus d'options qui a permis, peut-être permis de... D'avoir le magique moche. Ou pas, hein, on le saura jamais. Putain, par contre, est-ce qu'on peut avoir des vrais objets dans les shops quoi? Parce que là, c'est la loose. Hein. The chariot pour la curse room. Ouais, allez. Putain de connard que je suis. Bon, ça va, c'est rentabilisé. C'est très rentabilisé, ça c'est de la merde par contre. On va le prendre pour être sûr de plus jamais retomber dessus. Et on va pas prendre, ça donne des cœurs éternels, j'en veux pas. 6 cœurs c'est déjà beaucoup trop haut. Bon on va aller chercher le joker quand même, j'ai pas envie de me retaper tout le chemin. Et au pire on la regardera pour les étages où il n'y a pas de devil deal. Putain, deux fois. Je suis vraiment un boulet. On a quand même perdu deux cœurs avec ces conneries. Bon, ça va. Il me rend des cœurs noirs, c'est cool. Alors la Game Boy, je m'en fous, on va garder nos sous en vrai. Allô? J'arrivais plus à... C'est à cet étage qu'il y a le mendiant, ouais, ok. Du coup on va de nouveau optimiser, on fait un run qui essaie d'opti là. On va pas ramasser les cœurs, pourquoi? Parce que on va d'abord aller voir le mendiant qui s'il nous drop, ce qui est très probable, un HP up. Les HP up soignent de la vie dans Repentance, plus qu'avant. Ils ont été buff à ce niveau, donc je veux pas gaspiller de cœur. Bon, Strength, on en aura pas besoin, ça va. On préfère garder Joker, puisque dans tous les cas, on peut pas ressortir du combat avec Mom.
Voilà, il a regardé. Voilà, deux cœurs. Bon, j'avais dit que je voulais pas de HP up, mais on va espérer choper un Devil Deal, hein. Là, les... putain de ta... Ça, trois fois. Trois putain de fois. Bon allez, ça suffit. Ah merde, mais c'est pas Mom, c'est Jean-Michel. J'avais oublié. Putain, on en est que là. Putain, on avance pas vite, hein. Ouais, de toute façon, c'est ça d'optimiser un minimum. Du coup, on y est déjà allé, fait chier. Bon, matchbook, ça nous donne un quart d'heure, mais bon. C'est quand même pas fou, hein. Lui, qu'est-ce qu'il donne en objet? Je sais qu'il donne des mouches. J'avoue que j'ai jamais beaucoup exploré ce qu'il faisait, lui. Il donne quand même des objets de piédestal. Ouais. Bon, à 50 pièces, j'arrête. Allez, c'est parti. Je pense que le Joker va nous être utile sur cet étage, à moins qu'on ait beaucoup de chance. Attention, c'est une clé chargée. Attends, il y a un crawl space derrière là. Ah non, c'était un coffre. Putain, j'ai vraiment eu l'impression que c'était une échelle de corde. Du coup, tac, 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 tac. Tout ça pour choper une autre clé. Ouh. Soul of Judas, on s'en fout, putain. Le boss doit être à gauche, on va aller à droite. Quoi, quoi? C'est quoi qui m'a tiré dessus? Ah bah c'est pas trop tôt. Putain, tout ça pour ça. Quoi? C'était un... Putain. Ah. Bon, plus besoin de péter les rochers. On va continuer à péter les crânes évidemment. On a un The Fool là. Que c'était le crâne avec une croix. Bon, on aimerait bien quelques corps rouges. C'est pas souvent qu'on dit ça, mais... Putain, c'était sûr. C'était sûr de sa mère, là, l'hippopète, là. Putain. Pour ça. Ah. Bon ben, on a plein de sous et on peut même pas les mettre à une machine de donation. On espère en trouver une, qui sait.
Toi, j'ai pété quoi qu'il y avait deux bombes? Oh, c'était un rocher marqué. Super. Si on chope un meunier avec Wallpower, on est content. Hein. Et voilà, on a plus assez pour les corps noirs. Putain de... Avoir trop de corps rouges, c'est de la merde. Hein. Non! Putain, le chat qui fait n'importe quoi. En vrai. Est-ce qu'on va le regretter? Peut-être. Putain. Tu arrêtes tes conneries! Oh merde, ça devient. On peut plus péter les objets! Ou c'est super galère, je sais pas. Bon, le mendiant c'est bien, mais. Faudrait des corps rouges quoi. J'hallucine du nombre de corps rouges qu'on n'a pas eu quoi. J'ai envie de faire le Joker maintenant en fait. Parce que si on le fait. On va le faire maintenant parce que. Si on chope. Oh, mais ça on prend. On a plein de thunes. Du coup, oubliez ce que j'ai dit. Alors. Parce que le projet c'était d'aller. De pouvoir profiter si on avait un devil deal ou quoi. Mais c'est bon, j'ai trouvé de quoi nous soigner. L'objet qui sert pas souvent, mais quand il sert, il sert. Est-ce qu'on a eu toutes les secret rooms? Non, on n'a pas eu le super secret. Oh, ça va être marrant pour le coup. Ah, on a eu une pretty fly. Ok. J'arrive pas à savoir si mes trucs pètent ou pas. Bon, j'ai les bombes dorées, hein, mais... Putain, avec toutes les pilules qu'on a eues, franchement... Est-ce qu'on prend le livre à ressources? Parce que là, c'était marrant, mais... Je sais pas trop... Je ne sais pas trop. Attendez, je regarde un truc. Ok. C'était marrant sur le coup, mais est-ce que ça va nous servir sur le long terme? Est-ce que ça peut dropper des cœurs bleus? On va garder la machine à sous parce que c'est rigolo. Attends, il y avait des crânes. Hein. Ah non, c'était des pics. C'est pareil. Oh les dégâts. Du coup, ça fait plus. Oh, ils ont plus la tronche des cailloux, mes trucs. Je viens de capter. Putain, on a eu des Devil Deal, sérieux. What? Or les... ça c'est... Je suis pas hyper à l'aise avec ce truc. Oh le conjoined. Les pics je sais pas trop. Je vais pas les prendre parce que je connais pas assez la mécanique. Je sais que ça fait des nouveaux trucs. En fait je l'ai jamais eu. J'aurais dû le prendre pour ma collection. Ouais. Allez. Bon. Curse of the Blind. Génial. On adore. Putain le conjoined. Oh là là.
Mais ça fait plus des cailloux. Je suis trop triste. Oh putain, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est quoi cette pièce de merde? Bon, le boss, il est au pif à droite. T'as Loki's Horn, plus Conjoined, plus... c'est n'importe quoi. C'est pas précis, mais alors ça va partout. Hein. C'est aussi ce que mon ex disait d'ailleurs. Ah non, on veut pas de, cœur éternel, ça ira. Ouais. Putain. Ennemi de merde. Ennemi de merde. On fait n'importe quoi. On va m'expliquer un jour l'intérêt de ces salles secrètes. Hein. Bon, esthétiquement, est-ce que ce run est plaisant? Totalement, quoi. Manquerait plus qu'un prisme. Putain, ça serait tellement drôle. Bon, après, il est trouvable qu'en Godroom, mais... Du coup. On prend pas le risque. Si on avait. Encore une fois, si on avait eu un à deux cœurs, je l'aurais pris, mais là. Là, je prends pas le risque. Parce qu'il peut y avoir des objets négatifs en Devil Deal. À deux cœurs, c'est très rare. Je pense pas qu'il y ait d'objets vraiment négatifs à deux cœurs. Au pire, des objets un peu anecdotiques, mais. Hein. Mais bon, dans l'ensemble. Ça va quoi. Bon, le bouclier nous aura pas sauvé la vie, hein, clairement. Sur l'ensemble de la reine, j'ai pas remarqué une efficacité incroyable quoi. C'est dommage que ça abuse. En fait, j'aurais dû garder le livre parce que le livre il donne des cartes et des corps bleus. J'ai fait de la merde. Je pense qu'on s'en remettra, mais techniquement, j'aurais pas dû faire ça. Bon, mais plus de Devil Deal, tant pis. Alors, où est le boss? Il doit être en haut. Oh, attention, il y a des petits fantômes de merde. On va péter les feux bleus, évidemment. Pour info, la chance n'influe pas sur les feux bleus. La chance, elle influe que sur deux choses. Elle influe sur les drops en fin de salle, de coffre notamment, et les effets de l'arme. C'est tout. Voilà. C'est absolument tout. Ça influe pas sur les cœurs bleus dans les feux, ça. Je vais pas prendre le risque de perdre un cœur même si je maîtrise à peu près la diagonale. Ça vaut pas le coup quoi, pour des ressources dont j'ai pas besoin. Là, contre les petits boss, c'est pas ouf comme, comme build, c'est trop réparti. Ce bordel. Bon, le run a mis du temps à décoller, mais putain, ils étaient serrés là. Merci Dry Baby, tu fais le taf. Dry Baby, c'est vraiment le truc sous-côté quoi. Pendant longtemps, pendant des centaines d'heures, j'ai cru que c'était vraiment un familier de merde. Tellement pas. Ah oui, pourquoi pas.
Box of Spiders, vu qu'on a des 13 de dégâts, c'est plutôt pas mal. Putain! Ça en spawn autant? Alors le boss, il doit être en haut, je pense. En haut ou en bas? Je dirais en haut d'instinct. Ça c'est la pire salle. Le double adversaire vraiment. Ça quand t'es en mode il faut pas que je me fasse toucher, t'es vraiment dans la merde. Mais quel build débile quoi, c'est génial. J'arrive même plus à différencier les Loki's on avec le conjoint, je sais même pas. Ah, ça sent les pins. Allez, qu'est-ce qu'on a pour finir tout ça? Waouh. Allez. Bah on va passer un strict 6. Pas dégueu pour une reprise hein. Pas un seul échec encore hein. Putain quel bordel. Et la Diane elle fait le taf. Comment elle l'a serré pendant longtemps. Enfin, c'est pas une liane mais vous m'avez compris quoi, la tentacule. Et hop là, strict 6. Allez YouTube, à très vite. Bonne soirée, bonne journée. Je sais pas pourquoi je parle comme ça.